Voilà, bienvenue en Belgique, Olvo. Tiens, je t'en prie. Je te remercie. Ah. Alors Olvo, donc comment tu peux définir ta musique? D'où te vient ta musique? D'où te vient tes inspirations? Comment fais-tu ta petite popote en gros? Explique-nous. Écoute, je fais ma petite popote, je fais de la musique électronique, okay. Hein, mais je fais ça avec des synthétiseurs, des ordinateurs. J'apprends actuellement le piano, l'harmonie et la théorie musicale, donc je compose aussi au piano, je retranscris sur ordinateur. Un nouvel album en préparation, des nouveautés, que tu as un petit changement de style, tu peux nous parler un peu de tout ça? Ouais, j'ai un nouvel album en préparation, j'ai un petit changement de style. Ok. Enfin, j'ai pas envie de dire que j'ai un changement de style, je pense que c'est une évolution. Hein, ça reste quand même fidèle à ce que je faisais avant, je trouve. Mais ouais, j'ai un nouvel album, un peu plus planant, un peu plus posé. Introspectif peut-être? Peut-être aussi, ouais. Et un peu plus musical, justement, lié à mon apprentissage de l'harmonie et du piano et de la musique en général. Voilà. Super. L'album de la maturité, comme on dit. Ah ben. Ben écoute, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer derrière nous la Sono qui est assez stylée en fait. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Ouais, ça c'est tout nouveau aussi. C'est mon copain Haroun qui rejoint le live pour justement amener un côté scénique développé, du mapping, de la projection, des LED et donc développer tout un concept autour du prochain album. Ok, et toi ça te permet peut-être de te mettre un petit peu en retrait sur la scène alors? Ouais, tout à fait. C'est aussi un moyen de créer tout un univers autour de moi sans être forcément le centre d'observation, quoi. Ok, bah salut Nico, salut, merci beaucoup pour cette Malik. Interview. Merci à toi. Au plaisir, salut tout le monde, ciao. Salut.